On joue contre l'Australie du coup pour le premier match. Dites-moi les commentaires pour vous qui va gagner. D'ailleurs le match c'est demain à midi pour quand la vidéo sortira. Moi je dis que c'est la France qui va gagner les amis, je dirais un... Vous savez quoi, je vais donner mon pronostic dans ce match là. Juste avant de commencer la vidéo les amis, donc comme vous voyez on est sur Minecraft PC. Mais voilà c'est ça va être très très rare hein. Voilà on est fait sur, j'ai fait une vidéo sur PC tout simplement parce qu'en fait en fait on n'a pas ce genre de mode sur PS4. Mais vous inquiétez pas, dès demain on est de retour sur PS4. Mais sinon les amis, j'avais un petit message à vous dire. C'est que tout simplement aujourd'hui tout le monde fait une petite phrase avec dedans le mot Coupe du Monde. Voilà pour la Coupe du Monde qui arrive. D'ailleurs les amis n'hésitez pas à mettre votre pronostic aussi pour France-Australie le match est demain. Pour ceux qui regardent la vidéo, le jour où je la sors, c'est-à-dire vendredi. Donc voilà, donc le match est demain. Du coup, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis, si on arrive à 5000 pouces... Non, allez. 3000 pouces bleus, les amis, à 3000 likes, je ferai une prochaine vidéo sur PC. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez que je fasse du PC ou pas. Voilà, sur ce, je vous dis à tous un très bon visionnage et à la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour, c'est toi, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft. Attention, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Nous allons faire la coupe du monde sur Minecraft. Et oui les amis, vous ne dessinez pas ou quoi? On se retrouve vraiment pour faire la coupe du monde totalement sur Minecraft. Donc en fait comment on va faire ça? Et c'est très simple, en fait j'ai lancé Minecraft PC pour la première fois de ma vie. Non je rigole. Non mais en vrai ça... C'est quelque chose d'assez rare que je lance Minecraft sur PC. Mais aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas le lancer. Et puis du coup voilà, c'est pour ça qu'on est sur PC. Donc du coup je sais pas forcément si les réglages sont bons. Normalement oui ils le sont. Donc attendez. Voilà. En tout cas dites-moi en commentaire si vous préférez que je joue sur PC ou PS4. Franchement ça me serait vraiment utile. Comme ça voilà je sais si vous préférez que je fasse du PC ou de la PS4. Et d'ailleurs vous me dites si la qualité est bonne. Et aussi vous me direz s'il vous plaît. Voilà, vous me dites ce que vous pouvez par rapport à ça. Donc du coup, on est parti les amis pour faire tout simplement des matchs de foot sur Minecraft en mode arcade. Donc en fait, on est sur les serveurs Hypixel. Donc pour ceux qui veulent savoir quel est mon pseudo sur Minecraft, en fait c'est TwinerYT. Regarde, je vais mettre CC là. Voilà, donc mon pseudo c'est ça. Donc pour l'instant, j'ai pas encore le grade YouTuber, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Et oui les amis. Bon, du coup, alors le mode football, il est juste là. Donc on est parti, on va rentrer. Et je vous montre un petit peu tout ça. Donc par contre, pour jouer dans ce mode de jeu les amis, je vais vous dire clairement, il faut avoir un pack de textures. Alors faites pas gaffe à mes packs de textures, hein, voilà, on va mettre le pack de textures Marine Le Pen, hop. Non je rigole. Non mais en fait il y a un pack de textures spécial à télécharger qui est le pack football. Parce qu'en fait si vous le téléchargez pas ce pack football, et la balle elle ressemblera à un truc d'arbre. Je sais pas si j'ai le temps de vous la mettre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en fait si on met pas de pack de textures. Vous allez voir à quoi ça ressemble si je mets pas de pack de textures, c'est vraiment pas beau. Regardez. La balle, s'il n'y a pas de pack de texture, c'est ça en fait, regardez. Vous voyez le petit truc là, le petit arbre truc bizarre là. Et si je mets pas de pack de, si je mets pas le pack de texture football, et la balle ressemble à ça. Voilà. Donc c'est pour ça les gars, pour ceux qui jouent au foot, il faut mettre le pack de texture football. Voilà. Comme ceci. Donc vous pouvez le trouver sur internet. J'essaie de mettre le lien dans la description mais je suis vraiment pas sûr les gars. Sinon pour vous allez trouver très facilement, vous mettez football Hypixel texture pack et vous allez trouver, hein, vous inquiétez pas. Et puis voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez jouer tout simplement au foot. Donc voilà, c'est plutôt stylé, je trouve. Et puis voilà, donc on est parti, les amis. J'espère qu'on va être l'équipe bleue, parce que voilà, j'aimerais bien être la France. On va faire un match. Bon, on va commencer par un match France-Australie. Donc, le jeu, j'avoue, il ressemble un peu à... Pour ceux qui connaissent, à... Merde. Comment il s'appelle ce jeu déjà avec les voitures? Mince, j'ai oublié comment il s'appelle. Le jeu de voiture avec le ballon, déjà. Ah merde, j'ai oublié. Les gars, dites-moi les commentaires, j'ai oublié comment il s'appelle, j'ai oublié. Putain j'ai un trou de mémoire. Putain il est ultra connu en plus. Ouais bon, en tout cas il ressemble au jeu de voiture avec les gros ballons qui c'est vraiment ultra stylé je trouve. Allez du coup on est bientôt parti, on attend d'être encore 10, donc encore 3 personnes. Ouais franchement je trouve ça grave stylé, regardez moi cette balle. C'est pas trop kiffant cette balle comme ça là. Ah le bleu, allez les bleus. Voilà regardez elle est là la balle, tac, regardez ça. Juste là, elle va essayer de la choper. Non. Faut pas se prendre un but, et non. Oh, pas de but. J'ai sauvé la balle. J'ai sauvé l'équipe, les amis. Bon, je peux vous mentir, je suis vraiment pas très fort. J'ai commencé à jouer PC il y a vraiment pas longtemps. Non. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, hein, si ça vous fait plaisir que je fasse du Minecraft PC. Dites-le moi clairement, hein, sinon je retourne sur PS4 si vous préférez la PS4. Pas de soucis.
Allez, du coup, c'est parti. Bon, bien sûr, hein, en fait, je vais pas vous mentir, j'ai juste fait cette vidéo PC parce qu'il y avait des mods. Et voilà, sur PS4, tu peux pas avoir un truc comme ça. Hop, on gagne déjà un 0. D'accord. Il s'est rien passé. Oh, trop stylé, vous entendez? Je sais pas si vous entendez si vous entendez les supporters. Ouais, par contre, c'est un peu fort. Je baisse un peu le son des supporters, là, c'est grave fort. Désolé, je crois que c'est un peu fort, mais je suis pas sûr. Hein. Ça se trouve, c'est doux. Mais moi, je trouve que c'est fort. Allez, c'est parti! On est parti, on va faire un petit match magnifique. Let's go! Tac, tac, tac. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent qu'on fasse des parties ensemble. Oh, GG! Ça, c'est le tir de Giroud, les amis. Non, je rigole, Giroud, voilà. Attention, les amis. La récupération de Varane, attention. La montée de... non! La balle est où? Attention, le gardien Loris la rattrape. Le gardien Loris. Attention, il fait la passe au gardien australien, je sais pas comment il s'appelle. La balle, elle se trouve juste là. Non, balle pour Pierre Ménez. Non, j'ai pas réussi à avoir la balle. Allez. Oh, les amis, incroyable. But de Benzema. Ouais, non, je sais pas. Je rigole. Allez, c'est parti, on est reparti. Non, en tout cas, mettez-moi vos pronostics hein, pour le match. France-Australie. Eh oui, les amis. On est au quadruplé de Mbappé, les amis. C'est la vérité. Allez. Let's go. Mettez-moi dans les commentaires vos pronostics pour le match. La balle est où? Elle est là-bas, elle est là-bas. Allez, go, go, go. Pour l'instant, on est en train de gagner 4-0, les gars. C'est vraiment pas cool. Faudrait pas se faire prendre un but, par contre, ce serait bien. Allez, go. Non. Elle est vraiment dure à avoir, la balle. Hein. Je vais pas vous mentir. Oh non, c'est le but, les amis. L'Australie qui met un nouveau but. Donc, on est à 4-1. Allez. On va pas se laisser faire. Allez, oh, magnifique but les amis, 5-1, et eh oui les gars. Bon voilà, comme vous avez vu, là c'est pas encore trop bien organisé, mais en fait ce que je vais faire c'est, pour à partir du prochain, oh, l'arrêt du gardien les amis. Voilà, à partir du prochain match, ce que je vais faire c'est organiser un petit tournoi, un gros tournoi même, et chaque personne choisira une équipe, donc voilà. Moi je ferai l'équipe de la France, hein, parce que voilà, et bah, vous pouvez faire dans les commentaires votre équipe de 4. Donc je vais essayer 4 personnes avec qui, enfin j'ai... Pour ceux qui regardent la vidéo, vous allez pouvoir choisir 3 personnes pour faire votre équipe de rêve. Donc vous aurez le choix entre bah, les 31 équipes restantes qui sont... alors, je sais pas, il y a qui... Il y en a beaucoup, hein, mais je vais pas toutes les dire. Bon voilà, en tout cas, toutes les équipes à part la France. Voilà, moi c'est bon, moi j'ai déjà ma team. J'ai déjà mes 4 autres personnes, mes 3 autres personnes pour faire une team de 4. Donc voilà, maintenant il manque plus qu'à vous de le faire. Et puis voilà, allez, c'est parti. Balle pour moi. Oh, les amis. Incroyable. Eh hey, pourquoi à chaque fois on me vole mes buts? Allez. Je crois qu'il y a eu du rush kit du côté bleu. Oh magnifique. Magnifique but. Magnifique but de l'Australie. Allez. Magnifique. Je sais pas si vous regardez, mais quand ça fait un petit cling cling, ça veut dire qu'en gros j'ai mis un but. Enfin que j'ai touché la balle plutôt. Allez, hop. Oh non. Magnifique. Ah si, le même magnifique, franchement. Non non non. Oh non, j'ai pas réussi à sauver la balle. Bon, c'est pas grave. Allez, il a la balle. Il la met en avant. Franchement, les gars, on est en 2 contre 3, mais ils sont en train de remonter là. C'est vraiment pas mal, bien joué eux. Non. Mais non, mais il la met dans son camp. Il est sérieux là? Je suis avec Giroud, mais dans l'autre sens. Oh, magnifique. Magnifique. Dès le début. Hop, un but. Oh, 3 contre 1, les gars. Imaginez, on perd là. Faut au moins qu'on bête un but. Oh, 6-8 les gars, je dis ça, je dis rien, mais on est en train de se faire allumer. Quoi? Ah, on est 4 rouges. Attendez, on est 4 contre 1. Et imaginons, on se fait battre là. Non, non, on peut pas. MDR. 4 contre 1 les amis. Et voilà les amis, on a gagné du coup, voilà. On va relancer une partie. Donc voilà. Franchement, ouais, moi j'aime bien ce petit mode de jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, c'est juste une petite vidéo en attendant, tu vois. Parce que voilà, je vais pas vous mentir, je fais cette vidéo pour voir un petit peu si ça vous plaît. Et si la vidéo vous plaît, comme je vous ai dit, je vais faire une suite. Mais attention, pour la suite, les amis, je la ferai sur PS4 et ce sera des concours qui seront organisés. Donc faites chacun votre équipe de 4 et puis on se retrouvera pour faire le match à la fin. Vas-y. Du coup, il nous reste 3 minutes, je crois. Tac, la balle elle est juste là. Allez, mettez-la, faut la mettre au fond des filets les amis, attention. Attention, Griezmann prend la balle, il l'intercepte. Il intercepte la balle, attention.
Attention, interception de Giroud, non. Non, toujours pas, toujours pas. Attention, l'Australie va la récupérer. Non, 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 faut pas laisser récupérer, faut pas laisser récupérer. Faut pas leur laisser récupérer la balle, ok, ok. Faut pas leur laisser récupérer la balle. Attention. Non, en réalité, là, faut juste attendre que les gens rejoignent. Alors, du coup, on va mettre le pack de ressources. Je vais vous remontrer comment ça fait sans le pack de texture football. Regardez, la balle, elle se situe juste là, regardez. Vous voyez, elle est vraiment buggée, hein, si on met pas le... Si on met pas le truc de football. Donc du coup voilà. Faut vraiment mettre le pack de ressources football, voilà, pour se rapprocher de ça. Allez, on est parti. Allez, du coup on attend 8, 7, 6, 5. J'espère qu'on sera les bleus. 3, 2, 1, 0, c'est parti les gars. Attention, on est les bleus, c'est parfait. On est les bleus, on représente la France. Attention. On joue contre l'Australie du coup pour le premier match. Dites-moi les commentaires pour vous qui va gagner. D'ailleurs le match c'est demain à midi pour quand la vidéo sortira. Moi je dis que c'est la France qui va gagner les amis, je dirais un... Mais c'est quoi, je vais donner mon pronostic dans ce match là. Oh, incroyable. On se fait prendre 2-0 les gars, on se fait prendre 2-0, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Donc je vais vous donner mon pronostic. Pour moi je pense que la France déjà va gagner. Avec plus de 2 buts d'écart déjà. Je pense qu'il y aura genre 2, 3, 4. Voilà, ça c'est mon petit pronostic. Dites-moi dans les commentaires, vraiment vous mettez un pronostic. Et une fois que tous les gens qui auront vu la vidéo, revenez demain à la fin du match France-Australie et vous allez me mettre dans les commentaires si j'ai eu raison ou pas. Voilà, juste pour voir. Juste pour voir si mon pronostic était bon ou pas. Peut-être qu'on fera ça à chaque match des Bleus, je vous dirai un petit peu qu'est-ce que j'en pense et tout. Mais là je pense que voilà, ça va être une victoire de la France. Prochain match après ce sera contre le Pérou qui sera un petit peu plus dur. Voilà, je vais pas vous mentir, je serai plutôt pour le... Allez. Allez la belle, non la belle, pourquoi tu nous fais ça? La belle incroyable. Attention. Ah mais attends, mais faut tirer en fait. Ah oui, faut taper. Oh les gars, je viens de découvrir en fait qu'il faut, il faut taper avec la main. Non attends, c'est... Non, je sais pas. Je sais pas s'il faut vraiment taper avec la main ou pas. Pour ceux qui jouent en mode foot, dites-moi dans les commentaires s'il faut taper ou pas. Non ouais, c'est possible hein. Mais je m'y connais vraiment pas, je vous ai dit. Hein. Ok, la balle est là-bas. On prend 3-0 pour l'instant, mais bon. Je pense qu'on va plutôt... Aïe 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 aïe, 4-0. Bon, vous savez quoi, je vais faire le Hugo Loris du match parce que là je suis avec des nuls. Allez c'est parti, on est le Hugo Loris du match, attention. Oh là là, quel arrêt du gardien, c'est la parade. La parade du gardien. Quoi? Ah mais d'accord, en fait la balle elle passe à travers moi aussi. Allez bon, on retourne au goal. On va faire le Hugo Loris parce que si ça fait jouer. Hugo Loris ou Steve Mandanda d'ailleurs. Ouais non, plutôt Hugo Loris. Return Tottenham, attention. Attention les amis. Oh là là, incroyable. Incroyable, je suis trop nul au gardien. Non franchement je pense que j'ai plutôt joué sur PS4 là, je suis trop nul. Attention. On garde les cages, on garde les cages. Allez, jouez bien s'il vous plaît. Dégagement. Mais what? Je suis avec des cheaters. Je suis avec une team de cheaters là. C'est pas possible, c'est incroyable. Vas-y, but dans le camp. What? Elle a pas compté. Ouais, elle a pas compté. Allez, c'est parti, on se met dans les cages. Donc regardez, ils sont juste là-bas. Tac tac tac. La balle est juste là-bas, allez, au moins un but pour l'honneur les amis, mettez-moi un but pour l'honneur. Attention, ça va être la mort, ça va être la mort. Ah ouais, eh, les gars, non mais je vous dis vraiment, la balle, il faut vraiment la toucher au milieu parce que sinon elle passe à travers les gars, ça c'est vraiment un truc piège. Faut bien la toucher au milieu les gars parce que sinon c'est un truc piège, vous allez pas pouvoir tout simplement mettre un but. Bon voilà, faites bien gaffe à vous, et les gars, on se fait dominer mais c'est plus un match la vie. On se fait allumer les gars, c'est pas possible. Bon, après j'avoue, il y en a plein qu'on rage quitte. Ok, première touche. Oh, incroyable. Bien joué, il l'a raté. Merci aux roues, empereur des roues. Attends. Attends. Oh, stylé le jeu de mots. Il est roux, il a mis empereur des roues. Oh, franchement, pas mal. L'empereur des roues, tranquille ou quoi? Attends, je vais lui parler, wesh. L'empereur des roues. Je vais dire, c'est un peu le J. Ah je suis mort, attends. Je suis mort, il s'appelle l'empereur des roues les gars. Non, faut pas se prendre d'autres buts par contre hein. On perd. Attends, je vais mettre on perd face à l'Australie. Allez go. Et non les amis, 11-0 frère, 11-0. Les amis,
faut vraiment s'entraîner les gars. Allez go. Oh les amis, attention, je vais peut-être mettre le but de l'honneur. Le but de l'honneur, les amis, le but de l'honneur. Les amis, le but de l'honneur. Oui, les amis, le but de l'honneur. Et oui, qui va venir? Qui, les amis, peut venir s'asseoir à ma table et dire qui fait le meilleur but de l'honneur que moi? Qui, les amis? Et oui, les amis, but de l'honneur. Je vais mettre but de Griezmann, les amis, et oui. Bah voilà, du coup, voilà, j'aurais mis un but au moins. Je pense que c'est déjà mieux que la première mi-temps parce que la première partie j'avais mis 0 but, voilà, donc voilà. Au moins deuxième partie j'aurais mis un but et puis voilà, bah moi ça me fait plaisir. En tout cas voilà, vous avez été nombreux à me demander que je vous fasse un peu de mode sur PC, donc voilà, donc là on a, je sais pas trop si c'est un mode mais bon. En tout cas on est sur un petit truc sur PC qui est vraiment sympa. Pour ceux qui connaissent pas le serveur, je pense que c'est le serveur le plus connu de PC, c'est Hypixel. Donc voilà, je pense que tout le monde devrait connaître normalement. Mais bon, si vous connaissez pas, bah voilà, n'hésitez pas à rejoindre sur Hypixel. Mon pseudo c'est TwinnerYRTRD, je vais mettre CC. Et puis voilà, donc bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain on se retrouve pour un tout nouveau cache-cache, mais attention, on est sur PS4. Et sur ce, bah je vous dis bah bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Ciao.